Adieu mon pays. Chantal et Al, le parvis. Il y a eu malheureusement l'année dernière un autre épisode où les gens t'attendent beaucoup là-dessus, c'est évidemment Rof dans ta boutique Uncut. Ouais. J'aurais eu aucun problème à ce qu'il me tombe dessus à 10, mais qu'il aille délibérément dans mon magasin, sachant très bien qu'il ne serait pas faire semblant de me chercher et tabasser un jeune, passer à tabac un jeune stagiaire de 19 ans qui n'a rien à voir et le laisser entre la vie et la mort, c'est... là ça va loin quoi. Je veux dire, si tu veux vraiment me voir, me parler, régler tes comptes, tu peux le faire. Et donc pourquoi il se retrouve dans cette boutique? C'est quoi l'histoire? Parce que c'est un lâche, il est débile. Il s'est dit, je suis énervé, il m'a provoqué, je vais tout niquer, je vais aller le chercher, même s'il n'est pas là. Tu t'attendais toi à ce qu'il aille aussi loin? Non. Ouais, mais plus dirigé vers moi. Moi, je suis toujours prêt, hein, tu sais, quand je suis en période comme ça. Je dis pas que je suis en parano, je sors pas avec un fusil d'assaut. Mais, je veux dire, par exemple, comme on disait, quand on joue avec le feu, on se brûle, je suis dans les clashs. Si demain, on me tombe dessus à 10, je peux qu'assumer. Maintenant, que ça m'arrive à moi, c'est une chose, mais que ça arrive à un innocent de 19 ans, là, par contre, c'est malheureux. On a eu de la chance qu'il s'en sorte. Après, c'est très grave pour lui, pour moi. Et c'est surtout débile. L'image du rap derrière, c'est catastrophique. Du rap et des jeunes en général. Et de la banlieue et des... C'est honteux, quoi. Je suis en Ligue des Champions contre Chelsea. Je prends des millions, je prends des selfies. La suite, la flé, aimée de ma celle-ci. Je suis en Dieu, je suis la belle vie.